どうぞ。Et 2 euros, ça fait 4. 500 000 euros, j'arrête de travailler. Je te donne 1 000 euros pour acheter du matos pour filmer. Allez, le 28. Rien ne va plus, je s'en fais. Donc dans 2 jours, je saurai si j'ai gagné de quoi vous payer un restaurant. Je joue au tiercé tous les dimanches, c'est l'occasion d'aller au café, boire un verre, voir les amis après la messe. De temps en temps, quand je débauche pour déstresser, je bois un café, je prends un petit truc de grattage. Et là, je suis dans ma bulle, je gratte à l'espoir de... Je suis joueuse et chaque fois que je viens chercher mes cigarettes, et c'est plus fort que moi, il faut que je joue. C'est un vice en fait. C'est un passe-temps. C'est un passe-temps, vous voyez, vous venez le matin, vous allez passer 1 heure ou 2, bah, souvent vous faites des amis déjà, vous pouvez discuter. Et puis je suis retraité, puis c'est une de mes occupations. En fait, on vit dans un monde où c'est la routine surtout, donc un moment de joie où il y a un peu beaucoup d'argent, pourquoi pas, je suis preneur. Le 3 et le 1, et le 1 c'est le la casaque rouge. Non, ça sera A6. Vas-y, A6 l'arrivée. A6. Ouais, sûr, A6. C'est perdu. Elle a perdu, j'ai gagné. Voilà. C'est joli. Ah. Combien? Oh, 10-10, copier gagnant placé, il va faire 120-140, c'est ça? Vous payez le grand poids. Quand je gagne, je suis content, j'ai une euphorie du gain. Et quand je perds, je me dis que c'est normal, puisque je suis habitué à perdre. Puisque vous perdez, disons, 9 fois sur 10 quand même, hein. Faut pas se voiler la face. Hein. En tout, j'ai gagné 9000 euros. Voilà. Mais après, c'est pas d'un coup, c'est accumulé en 2 semaines. C'est plusieurs paris, et en tout, j'en ai eu pour 9000 euros. Oh, 2 fois, une fois 17 000 euros, une fois 9 000, une fois 7, une fois 3 000. Après, j'avais mis beaucoup de sous. Hein. Et après, j'ai perdu pas mal d'argent quand même dedans. Vous ne gagnerez jamais d'argent avec le jeu. Bon, vous pouvez faire une grosse somme, bon, ça vous permet de rejouer. Mais je veux dire, mais on gagnera pas, on ne deviendra pas riche grâce au jeu. Quoi. J'ai entendu parler, c'était un jeune qui était de Sanfa. Et puis, on va dire pendant la Coupe du Monde, il a misé 10 000 euros sur la France gagnante, championne du monde. Et il a remporté 1 million d'euros. Dans le pays, dans le jeu, on n'est jamais gagnant. Toujours on est perdant. C'est qui les gagnants, c'est le PMI. Et le Française des Jeux. C'est ça qu'ils ont gagné. Mon fils, il travaille dans la Française des Jeux, à Périgueux. Et il m'a dit, maman, surtout ne joue pas, hein, parce que il faut pas croire. Hein. Mais quand je joue, je lui dis à la patronne, s'il savait mon fils que je jouais comme ça. Que dalle, nada, je le sens pas. Bon, là c'est perdu. Tu le sais, il y a des fois au fond de toi-même que tu ne vas pas gagner. Mais tu as ce plaisir de gratter comme des gamins, quoi. C'est un truc, je sais pas. Merci. Bon, c'est un rêve en fait. C'est-à-dire d'imaginer qu'on va gagner. C'est-à-dire quand on a joué,
on s'imagine qu'on va gagner, donc on fait plein de rêves, plein de projets dans sa tête, et ça coûte pas grand-chose, et ça permet de... Moi, il y a des gens, je vais vous dire une chose, je vais vous faire une petite confidence, il y a des gens qui comptent les moutons pour s'endormir. Moi, quand j'ai joué, eh ben, je suis en train d'imaginer tous mes projets, et je m'endors avec ça. Après, le résultat, on est déçu, même en gagnant du 20 euros, 2 euros, moi, ça me va, j'ai gagné. Je fais partie des gagnants. Alors. Ah, le 9, je l'ai. Il y a combien? Je pense qu'il va y avoir 10 ou un truc comme ça. Ah, 20 euros. C'est un plaisir immense. Tu crées ton propre monde. Tous, on se crée notre propre monde, même s'il y a du monde autour de nous. On rentre dans notre bulle. Voilà, on gratte à l'espoir d'eux. Et ce sourire, là, c'est énorme, ça c'est sûr. Tu te sens tout léger. Moi, je pèse 100 kilos. Quand j'ai gagné 100 euros, je me suis senti 20 kilos. Quoi. Léger comme une plume. Quoi. Ça fait plaisir de gagner. Ça veut dire que je trouvais les gagnants. C'est pas le plaisir que j'ai gagné d'argent ou ça. C'est le plaisir de voir les chevaux à courir. Bon, je donne même le nom de chevaux, le nom de propriétaire, le nom de la mère, de le père de chevaux. Là. Je suis presque professionnel de... PME, là. C'est vrai. Après, moi, je suis gourmand, je suis un joueur, je joue pas le favori, je joue le tocard. Moi, le favori, je dis directement c'est qui gagne, et il gagne. Je suis gourmand. C'est ça mon défaut. J'étais toujours gourmand, je suis gourmand. Et alors imaginez que vous gagnez une très grosse somme. Qu'est-ce que vous en faites? Ben, je ferai plaisir autour de moi. Ben, j'en donnerai certainement une partie à une œuvre de bienfaisance ou la recherche, la médecine, des trucs comme ça. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire avec de l'argent? De toute façon, on ne peut pas le manger. Hein. Arrivé un moment... Il faut bien en faire quelque chose. Hein. J'ai entendu ce matin Pino Valenciennes, qui a quand même pas mal de sous, a déjà donné 100 millions pour la cathédrale. Donc voilà, pouvoir faire des dons qui sont utiles à tout le monde. Hein, voilà, redistribuer un peu. Gâter les enfants, Disneyland. Et puis voilà, après des petits habits, des petites choses comme ça. Mais voilà, ça reste après des petits plaisirs, parce que c'est de l'argent qui n'était pas là à la base et puis qui arrive. Donc il est fait pour se faire plaisir. Exactement. Je donne du sourd à les gens qui ont besoin. Et après, voilà. Je sais pas. Vous ne prenez rien pour vous? Ah, je prends. Et qu'est-ce que vous faites avec pour vous? Mais déjà, j'achète ma maison, ma voiture. Je fais plaisir à ma femme, mes enfants. Je mets un peu d'argent sur le côté. Et j'arrête de jouer. J'achète une voiture, je pars en vacances, je me fais plaisir avant tout. Et après, on verra. Ben, c'est m'acheter une maison, un appartement, comme on dit, un truc à la montagne, un truc à la mer. Pouvoir voyager, pouvoir être tranquille partout, pouvoir visiter le monde, les monuments culturels un peu partout dans le monde, pouvoir voyager tranquillement. J'aime bien m'acheter des bibelots dans un magasin qui a bien cher, mais qui est très cher. Vous voyez, mais c'est du beau. Et là, quand je vais vite là-bas, pour mon appartement, une glace ou des jolis fleurs artificielles ou un cadre, ou, ça dépend de la somme que j'ai gagnée. Le rêve déjà, c'est de faire plaisir à ma famille déjà. De les donner des trucs qu'ils peuvent pas se le permettre déjà. Puis moi, faire le tour du monde et vivre comme un pacha quand même. Ouais. C'est quoi comme un pacha?
Vivre comme un pacha, profiter de l'instant présent en fait. C'est pas avoir une belle bagnole, avoir une maison de ouf sur la Côte d'Azur, ou à Nice, ou à Biarritz. Quoi. C'est d'avoir une vie normale, de profiter de chaque instant. Quoi. Et de profiter de chaque instant, maintenant on peut pas se le permettre parce qu'on travaille. J'arrête. Non, j'arrête de suite. Là. Se lever le matin, c'est con quoi, d'avoir des millions et de faire ça, non. Voilà, je laisse ma place à quelqu'un d'autre qui a besoin. C'est le contraire, quand tu gagnes un peu d'argent, là, tu vas commencer à travailler. Avec l'argent, on va investir, c'est ça quand on commence à travailler bien. Vous investissez dans quoi? Dans le commerce. Vous n'allez pas dans une île et puis pour vous mettre les pieds en éventail? Non, jamais je vais faire ça. Là, c'est comme je suis, c'est pas l'argent qui me fait quoi changer. Hein. Nous, notre catégorie, on travaille plus que les riches, quoi, comme entre guillemets. Quoi. Donc moi, j'ai envie d'avoir cette vie où je travaille, mais peu, et faire plaisir quand j'ai envie, et partir quand je veux. Et de ne pas muser la santé pour rien, quoi. Enfin, pour rien, parce qu'à la fin du mois, on a un salaire. Mais quand tu as le premier, le 2, le 3, le 5, ça part, aussitôt. Quoi. Donc le rêve d'avoir un peu d'argent, c'est d'avoir cette assurance d'avoir de l'argent, quoi, sur soi. Bon, le favori est pas sans tête. J'étais au lycée à Libourne et j'ai eu deux profs qui ont atterri en psychiatrie parce qu'ils avaient gagné, je crois que c'était 1 million de francs, je crois. C'était une trentaine de millions de francs ou quelque chose comme ça. Ils étaient profs de maths tous les deux et puis on va dire que les chiffres leur ont donné mal à la tête, je crois. Après, c'est dommage de gagner une grosse somme et puis que ça tourne mal après. Mais après, c'est des choses qui arrivent. Vous pensez que ça pourrait vous arriver, vous ? Je pense pas. Après, je sais que il est quand même le pied sur terre, mais après, voilà. Pour moi, je pense que ça m'arrivera pas parce que je suis tellement habitué à jouer que ce que je vais faire, c'est que je vais partager cet argent tout de suite pour pas qu'il vous brûle les mains, quoi. Bah, c'est pas tous les gens qui gagnent qui, sinon j'arrête de jouer. Hein. Si tous les gens qui gagnent, ils pètent les plombs, moi je joue plus. Hein. Parce que j'avais ce risque-là aussi. Maintenant, j'aurais mon cauchemar. J'aurais des rêves à faire en pensant gagner, mais j'aurais aussi mon petit cauchemar. Si je gagne, je me retrouve en psychiatrie. Donc c'est pas tous les gagnants qui se retrouvent en psychiatrie. Voilà. Il y en a pas mal. Bon. Maintenant, vous allez me gâcher un peu mon plaisir de gagner. J'ai peur de gagner. Oui, ça procure de plaisir et ça procure des malheurs aussi. Ça l'est de côté. Parce que même là, on n'est pas bien dans notre tête. En force de jouer, en force de regarder, on passe la journée devant la télé. Quand on rentre, la drogue, il y a des choses qu'on ne fait pas. Des rendez-vous qu'on loupe. On ne passe pas de temps avec des enfants, avec une autre femme. C'est vraiment. C'est un cas difficile d'être dans le jeu. C'est comme là, il fait bon, là j'ai mes enfants, j'aurais au lieu d'aller profiter avec mes enfants, regarde ce que je fais, je suis là. Et vous ne pouvez pas vous en passer?
Toujours on dit cette course, on va jouer cette course, on part, on joue cette course, on part. Ça vous met pas en difficulté ? Si. C'est pour ça que franchement, je ne conseille pas les gens qui rentrent dans 7 jours parce que. Le monde de ceux qui ont de l'argent et le monde de ceux qui ne l'ont pas. Le monde tourne autour de ça d'ailleurs. On travaille pour quelques personnes, tous on travaille pour eux. Tous, sans exception. On est une fourmilière, le monde entier, pour quelques-uns qui gouvernent ce bas monde, c'est tout. Quoi. Eux, ils n'ont pas la notion de l'argent, mais nous, oui. On court derrière ça tout le temps. Quoi. C'est la carotte, quand je viens de vous expliquer tout à l'heure. Toujours aller là. Même si on sait qu'on ne va pas l'attraper, la carotte, et on va courir derrière. C'est comme le moulin de Don Quichotte. Quoi. On en revient là.